ça fait tellement du bien de plus avoir de schedule, d'horaire, tu sais, de choses à faire. J'ai plus l'impression d'être attendue nulle part en ce moment. C'est juste comme on fait ce qui nous tente à tous les jours. C'est juste simple, c'est vraiment simple. Everybody ready? We'll just improvise. No, I'm kidding. I have, it's gonna be fun. But we're more or less improvise. C'est notre premier jour d'invernance, puis je trouve ça parfait. On s'en va se protéger des vents de cette nuit. On est comme dans un calme en ce moment, là, après une grosse pluie. Il y a quelques étincelles de soleil un peu qui passent à travers les nuages. Puis ça fait tellement du bien de plus avoir de schedule, d'horaire, tu sais, de choses à faire. J'ai plus l'impression d'être attendue nulle part en ce moment. C'est juste comme on fait ce qui nous tente à tous les jours. On prend notre temps, on essaie des affaires comme ça, comme lever l'ancre à voile, puis s'ancrer à voile. C'est juste simple, c'est vraiment simple. Et en fait, là, on fait juste s'amuser, puis on est sorti du mouillage juste à voile. Mais le but, ça va être de réancrer juste à voile encore. Puis l'idée, ça va être de remonter, faut remonter face au vent pour jeter l'ancre. Et pour ça, ce qu'on va faire, là, on a juste le Genois en ce moment. Ça irait probablement mieux avec juste la grande voile ou les deux. Mais là, juste au Genois, ce qu'on va faire, c'est on va remonter au vent le plus proche possible du vent possible. Puis on va rentrer la voile très rapidement. Le plus rapidement possible, de sorte que le bateau y ait encore de l'inertie et que, avec cette inertie-là, Tom puisse, sans les voiles, juste peut-être remonter face au vent, idéalement. Puis, simultanément, je vais laisser la chaîne aller pour descendre l'ancre. Puis, on espère que, à travers tout ça, on va avoir été content de notre positionnement de l'ancre. Ok, mais c'est ça. On a plein. Il y a 6 nœuds de vent. On a le temps de s'amuser, puis il n'y a pas de problème. Ah. Ok, keep that course right there. Yeah! Excellent job, Tom! Awesome! Merci! It worked! Thank you.
ce moment, on est du côté océan, au nord des petites îles qu'il y a le long des Abacos. Puis on est côté océan, ça se peut qu'il y ait des requins, ça se peut qu'il y ait du bon poisson à pêcher. Puis ça a l'air magnifique, genre les conditions sont parfaites. Je vois quasiment à travers l'eau, je vois les têtes de corail. Genre, je pense que ça va être trippant. En fait, en ce moment, je suis en train de vérifier pourquoi, c'est quoi qui se passe, parce que on a brûlé deux impellers jusqu'à maintenant. Fait que en 30 heures, à un moment donné, je me suis rendu compte que en 30 heures de moteur, il y avait un peu de vapeur qui sortait de l'exhaust. Là, j'ai ouvert ça, j'ai ouvert le cap de l'impeller. Ça s'est donné qu'il manquait comme 3 pales sur l'ailette. Puis là, j'ai changé l'impeller à Great Sail Key. On a fait à peu près 3 heures de moteur entre Great Sail Key et le reste. Puis là, j'ai vu qu'il manquait une pale après 3 heures de moteur. Fait que là, j'essaie juste de faire un diagnostic pour voir ce qu'il se passe. Ça peut être bien des affaires. Il n'y a vraiment pas de conclusion encore. Mais j'essaie de checker. En ce moment, j'essaie de... Parce que la pale, quand elle brise, ben, elle se retrouve bloquée quelque part dans le système, dans la ligne d'eau salée. Puis c'est important de les enlever à mesure, parce que sinon, ben, tu peux créer des espèces de bouchons, des espèces d'endroits de restriction. Ça peut faire, ben, premièrement, que ton moteur ne refroidit pas assez bien, mais ça peut faire aussi que ton impeller il a de plus en plus tendance à briser. À cause s'il y a une restriction dans le système, ça, c'est ça que ça fait. Fait que... Là, il nous reste combien d'impellers? Ben c'est ça. L'affaire qui est plate, c'est que là on en a avec 4, ce qui est beaucoup. Ben tu sais, généralement, ce qui est quand même un bon nombre. Mais là, il nous en reste juste 2. Fait que là, c'est juste de... Ça va être important de trouver la cause. Là. C'est pas... Tu sais, le premier impeller qui brise, tu te dis, ok, ça peut être peut-être un défaut de fabrication. Mais le deuxième, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut qu'on comprenne. Fait que comme je disais, ça c'est la pale d'impeller qui manque, qui est bloquée à quelque part. Juste après la pompe à eau de mer, il y a un coude. Puis jusqu'à maintenant, toutes les pales manquantes se sont toutes retrouvées dans le coude. Un angle 90 degrés, c'est dur pour un objet de passer au travers. Puis si vous regardez, on peut imaginer la restriction, c'est quand même une bonne restriction. Tu sais, ça peut couper facilement beaucoup d'eau, là. Juste à cause de ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est important de les enlever à mesure. Ouais. C'est un gros morceau, pareil. Ouais. Tirer ses vis. Oui. On est chez nous. C'est la seule adresse que j'ai. C'est ça. À Québec, j'ai plus d'adresse. On a un bateau. Puis ça. Puis aux Bahamas, ils n'ont pas d'adresse. Les officiels, ils veulent savoir où te rejoindre, comment te retrouver. Fait que les maisons ont souvent des noms parce qu'il n'y a pas de rue. Fait que ça, c'est le bunker. Parce que ça a toffé l'ouragan Dorian. Flying Colors,
c'est triste pour les autres, mais nous autres, on est arrivés ici, puis on avait une table qui était couchée sur le côté, on l'a remis droite, puis c'était terminé. Vous êtes chanceux. Ouais, très chanceux. Très, très chanceux. Bon, ça s'appelle le bunker? Oui, bien, les petites fenêtres qui ont l'air de meurtrières de bunker, puis c'est une boîte, fait que ça ressemble à un bunker. C'est solide comme un bunker. C'est toi qui l'as construit? Ouais. Ben, moi puis Nancy. Comment vous avez trouvé toutes les matières pour construire ça? Ben, Marsh Harbor, à peu près à un jour de bateau pour nous autres d'ici, ils livrent à un port commercial, puis là, ben, tu pars avec ton Zodiac, puis tu traînes tout ça. On a fait ça avec les poteaux, on les a flottés, c'est très long, c'est trop loin. Puis on a un de nos amis qui avait un bateau pompier qui a passé au feu, qui a acheté pour rien. Fait que c'est comme une barge, fait qu'on a mis tous nos matériaux dessus, on l'a emprunté, puis on a pris la grande, grande journée à traîner ça. Après ça, ben, on amène ça sur la beach, on décharge ça sur la beach, après ça, c'est 45 feuilles de plywood trois quarts à traîner à main, monter la côte. Et c'est long, c'est dur, mais quand c'est fait, ça paraît plus. Esprit. C'est vraiment hot. En ce moment, on est dans la... ça s'appelle la Art Trail. C'est nos amis québécois ici, Gilles puis Nancy. C'est eux qui ont créé ça, en fait, sur l'île. Puis c'est comme un chemin où est-ce que les gens, ils laissent des œuvres d'art. Il y a ça, par exemple, c'est un classique. Ça, c'est un classique. Hein? C'est fun, le concept de, tu sais, pouvoir venir marcher sur une île déserte un peu puis laisser une trace artistique, peu importe c'est quoi. Et j'imagine cette trail-là quand il va y avoir... des milliers de personnes qui vont avoir mis les pieds ici puis qui vont avoir juste laissé un petit quelque chose. Comment ça va être beau? C'est malade. Il y a nos amis ici qui ont des amis qui ont une maison sur une île pas loin de notre mouillage. Puis ils nous ont invités. On est allé plonger aujourd'hui, puis ils nous ont invités à juste prendre une douche. Genre, il y a une douche froide, tu sais, mais avec de la pression. Extérieur, genre en pleine nature, là. La nature est juste là. Je pense que c'est la meilleure douche que j'ai prise. Ever. Bon, moi, ramène coke chaud avec la lime. Moi, je t'en prends un. Ouais? Moi aussi, je vais en prendre un. Merci à vous tous d'avoir écouté notre vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite de l'aventure. Sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Louise Brisebois et Martin Mondou, Nathalie Larouche, Menet, Mr. Lou Capitaine et Christopher Côté qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous!
À bientôt tout le monde. Ils m'ont fait peur, ces deux-là. C'est creepy, ça. T'étais où, toi? J'allais repêcher ma pipe. La pipe est rendue avec une histoire. Elle a passé deux jours dans le fond de l'eau. I think we're all threaded in. And we have a tenant. Quelqu'un va me tenir ça? Fall. Oh yes! Good job! Hey, c'est fort ça! Ça prend un marteau aussi!